Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Yunz. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour la suite de nos fabuleuses aventures sur Monster Hunter Freedom Unite. Meilleur jeu du monde. Non, je rigole bien entendu. Bref, j'ai pris la quête à mamie en mode normal pour aujourd'hui faire tous ensemble le Ceanataur Shogun, qui est un espèce de gros crabe Bernard Lamite, comme on avait déjà fait une fois l'ermitor Daimyo. C'est son cousin. J'ai toujours l'armure du coup de coude comme d'habitude, mais par rapport à l'arme du monoblos que j'avais la dernière fois, j'ai fait l'arme du Yangaruga, qui a un peu moins de dégâts mais plus d'affinité, donc ça peut être sympa. Faut essayer. Allez, bon visionnage à tous! Yes, bah ça c'était un beau combat, magnifique, tout s'est super bien passé. C'était un monstre très rapide mais plutôt facile à esquiver parce qu'il a plein de petites attaques nulles qui font vraiment pas énormément de dégâts. Donc même si on s'en prend, c'est pas trop grave, ça passe. C'est qui me bourre là? Oh là là, oh non, c'est encore... Oh les Vespoïdes, mais c'est pas possible là. Je peux jamais faire mon outro, que ce soit sur n'importe quel monstre, c'est une horreur. Vous êtes toujours là, ça m'énerve, c'est horrible. Oh tu vas voir toi, oui ça bouge pas, oh paf, et bam. Allez, pour la peine, un petit applaudissement, yes. Enfin bref, il s'est passé plein de trucs bien sympas. À un moment, il déplie ses pinces en hauteur, là, et ça fait un espèce de bruit de katana qui sort du fourreau. C'est trop stylé, j'ai trouvé ça super cool. Il y a un autre moment, il me fonce dessus, du coup, je fais mon attaque plongeon, mais je mets super longtemps à me relever, et là, en attendant, il charge son attaque, où il ouvre grand les bras, et du coup, là, il a une nightbox de fou, il prend tout l'écran, c'est n'importe quoi, bref. C'était bien marrant, ce que je me suis pris. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié, parce que moi, j'ai trouvé que ce combat était plutôt cool. J'ai rien cassé, par contre, mais bon, c'est pas grave, une autre fois sur un autre monstre. Je vous fais à tous moi des gros bisous et du coup je vous dis à la prochaine pour des monstres toujours plus durs et bye bye.